Ce résumé vous est présenté par Takeaway.com et Gazprom. Sponsor de l'UEFA Champions League. La diagonale est magnifique de Rüdiger, c'est vrai, Ziyech avec le capitaine. Bon centre, oh, l'occasion, la première avec Havertz du bout du pied. Mais quelle galette ce ballon d'Azpilicueta. Oui, c'est magnifique, c'est vrai, celle-là, Romelu l'aurait mise. Non, je plaisante, mais franchement, c'est magnifique, surtout la manière avec laquelle on vient chercher l'opposé. C'est aussi un grand classique dans le système de Chelsea, centre est parfait. Pulisic, oh ça va vite avec Havertz, le crochet, la frappe et l'arrêt. Oh qu'il était beau de Jardim. Magnifique. Encore une fois, une grosse accélération dans le rectangle sur cette petite combinaison dont on parlait tout à l'heure avec les joueurs intérieurs. Si c'est très très clair hein, sur ce mouvement. On vient isoler Havertz. Deuxième occasion, deuxième fois Havertz. Ziyech au coup de coin. Oh l'arrivée, le but. C'est but d'ores et déjà. Il en a loupé deux. À la troisième, c'est bingo. Oui, et là, il va se la chercher tout seul. Hein, parce que le coup de boule là, qui vient placer. Lucchezo. Et regardez qui se lève pour célébrer. C'est Romelu Lukaku, le réalisateur anglais. Ne s'y trompe pas. Kai Havertz. Ça n'a pas fonctionné de son meilleur pied. Et il marque de la tête. Mais quel ballon donné par Ziyech. Oui. Et finalement, c'est le seul qui n'est pas vraiment marqué. Oui, il n'est pas marqué du tout. Sans doute parce que Tuchel, c'est ce qu'il souhaitait sur cette passe-là. Il vient un petit peu de nulle part. Le roi de la clean sheet hein, en Ligue des Champions. Des stats impressionnantes en attendant ce ballon qui traîne dans sa surface de réparation. Est-ce que les Lillois vont pouvoir frapper? Oui, c'est contré. Ça revient maintenant chez... Cette frappe aussi, c'était Benjamin André. Et là, c'est encore Silva. Renato Sanchez, non. Oui, il est content, Silva. Il est un petit peu vers son public, mais a vu sa réaction. La conduite de balle est déroutante. Ziyech qui ressort ce ballon avec Kanté, l'arbitre qui est un petit peu dans le chemin. Le centre arrive. Oh, Alonso ! Belle reprise, plat du pied. Beaucoup de concentration, d'application. Ah oui, bien joué, bien joué. Mamba, il n'y a personne là derrière. Oh, allez, il faut essayer. André, il le sait. C'est axial. Voilà, le premier tir cadré pour le LOSC. Il est encore là pour se retourner. Contrôle, passe, c'est si simple. Et voilà, je vous le disais, il repropose ensuite une course dans l'espace. Le centre à suivre avec Celik, Ziyech et Alonso. Ah, Celik encore. Ah ouais, qui dit à Sanchez, mais t'étais où mon gars? Ouais, parce que là, Celik, il fait ce qu'il peut hein, pour défendre sur ce ballon. Déjà, il est bien positionné. Havertz, ballon un peu court, Havertz c'est parti, il va vite, Kai Havertz, tout droit vers le but, tout seul aussi surtout. Alors Havertz avec finalement cette frappe qui lèche le cadre. Fameuse reconversion en solo là. Oui, oui, il a vraiment fait le boulot pratiquement tout seul jusqu'au bout, voleur de ballon. Mais ensuite il résiste très très bien là dans sa course. Sanchez, bien joué. Ouais, mais Celik il a des bons déplacements je trouve le latéral droit. Ah, ça c'est une passe idéale pour Kanté. Kanté qui mange les maîtres, hein, qui mange et qui y va. Oui, oui, avec Pulisic, il est là. Le 2-0 pour Chelsea, le bridge qui exulte et Pulisic. J'adore cette célébration là sur les genoux. Ça c'est un peu plus particulier, mais bon, chacun appréciera. Mais en attendant, la course balle au pied d'N'Golo Kanté. Alors, il y en a qui sprintent vite sans le ballon, mais lui, avec le ballon, qu'est-ce qu'il est rapide. Ah oui, là, c'était assez exceptionnel ce qu'il a pu faire là. Bamba. Oh.
Benjamin André a touché ça, mis au sol Loftus-Cheek, faut déjà y aller. Bamba, ça revient. Hop là, Botman. Un mètre de force, pas trop de difficulté pour Mendy. Bamba pour réduire l'écart. Non, là-bas il n'y avait personne, mais la reprise de Ben Arfa. Elle était pure, elle était sèche. Ce résumé vous a été présenté par takeaway.com et Gazprom. Sponsor de l'UEFA Champions League.